et aujourd'hui on se retrouve pour vous parler du tome 2 d'une saga dont le premier tome fut un énorme coup de cœur. Il s'agit de La couleur du mensonge et donc le deuxième tome, Le parfum de la trahison. Dans ce deuxième tome, on va retrouver les deux protagonistes que l'on a rencontrés dans le premier, à savoir le duo Alex Quinn, capitaine de l'armée des Moran, et Sage Fowler, qui a pas vraiment réussi à trouver sa place dans un monde où la femme est censée rester engoncée dans ses jolies robes. Voilà, une fille super intelligente, super dynamique, elle est très observatrice, elle perçoit et interprète les choses très très vite, elle est très cultivée. Bref, un personnage extrêmement intéressant. Et on va les retrouver cette fois-ci non pas en Demoran, mais la majorité de l'histoire se passe davantage dans un pays frontalier qui est Kes Moon, donc pas du tout le pays avec lequel ils étaient en friction dans le premier tome, puisqu'il s'agit de Kimisara, je crois. Mais ouais. Voilà, cette fois-ci on découvre un nouveau pays. Et qui dit nouveau paysage, nouvelle culture, nouvelle tradition, nouveaux personnages. Et autant vous dire qu'on a été gâtés parce que franchement, si déjà dans le premier tome c'était super bien fait cette découverte d'un peuple, hein, puisque voilà, d'un peuple, de son histoire, de ses terres, là il y a un level plus 1. Enfin moi j'ai trouvé que c'était quand même super bien fait, super complet et c'était génial. Oui, le travail de l'auteur autour du scénario, de la partie historique du scénario, du passé des peuples et des différentes cultures est juste formidable. On découvre donc un nouveau peuple, c'est un peuple du désert cette fois, puisque Kes Moon est un pays situé dans une région très aride. Les décors sont magnifiques, les descriptions m'ont complètement emporté dans ce nouveau pays. Tant au niveau du personnage que de la culture, de la langue, de la façon dont ils s'habillent, de la façon dont ils se battent, puisque on découvre une nouvelle façon de se battre, de faire la guerre, des nouvelles armes. Voilà, c'est vraiment génial. Par contre, en revanche, c'est vrai, c'est Mélo qui me l'a dit tout à l'heure, ça peut paraître un peu compliqué. Mais ça, c'est quelque chose qu'on avait aussi rencontré dans le premier tome, c'est-à-dire que l'historique des guerres entre les pays, des frictions, de l'annexion de la province de Tasmet, des différentes peuples donc, qui sont devenus, enfin qui étaient Kimisar, qui sont devenus Demoran, enfin voilà, ça c'était des difficultés qu'on avait dans le tome 1. Et bah c'est un peu pareil dans le tome 2, ça veut dire que c'est très complet, mais c'est aussi un peu complexe. Alors on va pas s'en plaindre hein, parce que bah, c'est super intéressant, mais c'est vrai que dans le feu de l'action, dans le feu de la lecture, là on est « Ah tiens, alors lui, il s'est passé ça avant, ce pays-là, ils étaient en friction en telle année, ils étaient ennemis, puis finalement ils ont fait une alliance. » Voilà, il faut le savoir. Ouais, après, l'auteur ne pourrait pas mieux l'expliquer que ce qu'elle le fait déjà, je vois pas comment elle pourrait le faire autrement en fait. Mais bon, c'est juste que c'est beaucoup d'informations à intégrer en une seule fois. On a dit qu'on découvrait un nouveau peuple, mais on découvre aussi du coup de nouveaux personnages, notamment le roi Kes Moon et sa sœur la princesse. Et j'ai adoré ces nouveaux personnages, je les ai trouvés super... super avec Sage en fait. Leur comportement avec Sage est génial et voilà, et ils ont des petites facettes assez intéressantes même si ils n'arrivent pas à la cheville de Sage et Alex évidemment puisque c'est les personnages principaux. J'ai beaucoup aimé ces nouveaux personnages, je les ai trouvés très très intéressants mais un peu trop gentils. J'ai eu l'impression de tomber un peu dans le monde des bisounours là-bas. Alors c'est pas mal, hein. Je pense que ça doit pouvoir exister, des peuples tout à fait bons, hein, plein de bonté. Mais voilà, au début je me suis dit, ils sont tellement gentils qu'ils cachent forcément un truc. Oui, et puis de toute façon il arrive tellement de choses horribles aux personnages que bon, même si on est dans le monde des bisounours, il se passe tellement de choses à côté que bon, c'est pas non plus trop gentil. Hein. Il se passe beaucoup de choses, mais finalement seulement à partir de la moitié du roman. Ça c'est un point négatif sur lequel je voudrais revenir parce que pour moi ce deuxième tome n'est pas un coup de cœur parce que le début était mais super 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 lent. Je me suis un peu ennuyée, peut-être même un peu plus qu'un peu. J'ai dû vraiment m'accrocher et ma seule perspective pour avancer c'était que Mélo m'avait dit ne t'inquiète pas, à partir de 150 pages ça devient bien. Alors sauf que 150 pages c'est très long en fait quand on s'ennuie. Ouais, quant à moi c'est autant un coup de cœur que le premier tome voire plus. C'est vrai que le début était un peu lent mais j'étais très contente de retrouver l'écriture de l'auteur qui est vraiment géniale, qui est très très belle. Enfin, c'est pas qu'elle c'est particulièrement jolie, c'est juste que je trouve qu'elle plonge vachement bien dans le récit. Et j'étais contente de retrouver Sage, et oui, c'est vrai que ça reste une mise en place assez longue,
Mais au final, je trouvais que c'était assez similaire au tome 1, puisque le tome 1, c'est complètement nouveau, donc il faut qu'on ait des descriptions des lieux, du personnage et tout ça, et donc voilà, ça reste assez similaire, moi je trouve. Donc ça n'a pas été un frein. Après, il est vrai que j'ai trouvé ça quand même assez lent, sans que ça me dérange. J'ai mis plusieurs jours à lire les 150 premières pages et à être complètement dans le feu de l'action. Mais une fois qu'on a passé ça, ça donne un résultat juste magnifique, ça explose de partout. La différence, c'est que le tome 1, c'est vraiment de la vraie découverte, c'est-à-dire qu'on connaît vraiment rien du tout. Là, bon, les 150 premières pages, c'est même pas dans Cass Moon, donc c'est même pas de la découverte en fait. C'est juste lent, voilà. Et quand Mélo dit ça explose dans tous les sens, je suis pas trop d'accord, quoi. C'est vrai, il y a un point de rupture où il commence à se passer des trucs, on commence à être dans l'action, mais j'appellerai pas ça une grosse explosion. La fin, par contre, c'est vrai, est vraiment bien faite. Mais on va pas vous parler de la fin tout de suite, revenons plutôt sur les personnages et parlons de Sage et Alex. Que j'étais très très heureuse de retrouver, hein, parce que bah, c'est les personnages emblématiques de la première, du premier tome, et c'est vrai que Sage, c'est un personnage dans le premier tome que j'avais adoré, mais vraiment vraiment adoré. Elle est géniale, elle est pas à sa place dans le monde qu'on voulait, enfin dans laquelle on voulait la mettre. On voulait la marier au début du premier tome, hein, c'est à partir de là que tout a commencé. Et donc voilà, là elle est enfin à sa place, et ça j'ai trouvé ça génial. Yep, c'est vrai, elle est à sa place et elle est toujours aussi vive, et elle reste fidèle à elle-même, voilà, tout comme Alex, mais je trouve que le fait qu'Alex reste fidèle à lui-même est un petit point négatif, puisqu'il continue à s'enfoncer dans les mêmes problèmes de couple qu'il avait dans le tome 1. Voilà, après c'est juste une petite remarque, c'est pas... ça m'a pas trop gênée non plus. Ils se cachent des choses tous les deux, et ça dès le début du premier... enfin dès le début du second tome. Et en fait c'est grâce à ça qu'il y a une histoire, hein, parce que s'ils se disaient les choses directement, comme deux adultes, je pense que tout se passerait très très bien, mais il faut absolument qu'ils gardent chacun leur petite... je sais pas comment expliquer ça, mais moi personnellement ça m'a un peu embêtée, et ça fait partie des choses qui m'ont agacée en fait. Mais on est bien d'accord que c'est essentiel à l'histoire, donc c'est pardonné. Cela dit, ça peut-être que ça participe au fait que j'ai trouvé ça long. Ouais, je pense. Surtout que... c'est souvent, c'est la même petite chose qui est répétée plusieurs fois dans les 100-200 premières pages. Par contre, un truc qui est vraiment génial, c'est que dans le premier tome, l'auteur manipulait complètement son lecteur. Elle lui cachait des choses, elle lui en révélait certaines, lui faisait faire des déductions qui n'étaient pas du tout les bonnes, et après lui révélait la vérité. Et le lecteur se retrouvait complètement surpris. Voilà, ça c'était génial dans le premier tome, mais évidemment... on se doute bien que l'auteur ne peut pas répéter ça dans tous ses tomes, donc dans le deuxième tome c'est complètement différent. Là cette fois-ci, le lecteur connaît tout. On connaît ce que prévoit le peuple opposant, je vais l'appeler comme ça. On sait ce qu'apprend Alex dans son métier en tant que militaire. On sait ce que Sage découvre. Et donc on a vraiment un aperçu de toutes les facettes de l'histoire, mais ça nous empêche pas d'être complètement torturés sur certains moments, puisque même si on sait tout, on voit que les personnages, eux, ne savent pas tout, et qui passent à côté de choses à quelques millimètres près. L'histoire pourrait prendre un cours complètement différent, et ça se passe pas comme ça, et l'auteur continue à nous torturer. C'est vraiment, les 200 dernières pages sont très très intenses, enfin, en tout cas pour moi elles ont été super intenses, parce que j'étais là avec les personnages et dire ah, purée, mais faites ça et ce sera bon, et voilà, et pas du tout. Je pense que la lenteur du début m'a peut-être un peu coupée dans ma lecture, ou je sais pas, j'ai pas réussi, et je le regrette vraiment, j'ai pas réussi à rentrer dedans autant, pas assez pour vous dire en tout cas que les 200 premières pages, les 200 dernières pages étaient vraiment très très intenses. Alors certes, il se passe plein de choses, mais le fait de tout savoir, moi ça m'a... Mais c'est une histoire qui est quand même très bien cherchée, hein, voilà, on est bien d'accord là-dessus, c'est quelque chose d'assez original, c'est quelque chose de nouveau. Voilà, j'étais juste pas autant dans le truc que pour le premier tome. Il y a juste une petite chose que je regrette peut-être sur le fait qu'on sait tout. Il y a un moment donné, quand on arrive dans la ville principale de Cass Moon, on se rend compte qu'il y a un complot contre le roi, et qu'un des personnages qu'on a découvert ou qu'on n'a pas découvert, on ne sait pas, est la source de ce complot, et qu'il va falloir deviner qui. Moi il se trouve que j'ai tout de suite deviné qui c'était.
Et voilà, ça c'est un peu dommage. Après, c'est pas évident de tout cacher en laissant quand même des petites informations pour qu'après, une fois qu'on sache tout, on puisse se dire ah bah oui, il y avait ça comme indice. Bon voilà, mais bon, c'est peut-être un petit peu dommage que j'ai pu trouver ça aussi vite. Après, Mélie n'est pas dans le même cas. Après, voilà, ça c'est Mélo. Elle est toujours comme ça, de toute façon. Elle devine super vite le cœur de l'intrigue. Alors c'est peut-être parce qu'elle lit trop de thrillers. Faut que t'arrêtes un peu avec ça. Non, je rigole, je sais pas. Moi, c'est... Peut-être que je réfléchis pas assez quand je lis, que je me projette pas assez dans le futur de ma lecture. Mais en tout cas, j'avais pas trouvé. J'ai découvert à la fin comme une surprise en fait, et ça finalement pour moi c'était plutôt pas mal puisque j'avais besoin de surprise pour bien apprécier ce tome-ci. Par contre voilà, il y a pour moi un autre point négatif au fait de tout savoir de la part de chaque personnage tout le temps, c'est que du coup ça, il y a moins de dynamisme dans la lecture puisqu'on sait tout, on a moins envie d'aller d'avancer pour trouver les informations, de retourner d'un personnage à l'autre. Je trouve que le rythme était assez cassé et en fait il y a un gros événement, alors il y a plein de gros événements, on vous dit ça comme ça, mais il y a notamment un gros événement qui arrive et j'ai trouvé que le fait de tout savoir, ça coupait complètement les émotions qu'on aurait pu ressentir. Je suis pas du tout d'accord, moi j'ai quand même eu énormément d'émotions. Même si je savais tout, et justement c'est ça qui est dingue, le fait de savoir tout et d'avoir quand même des émotions qui sont là pour te torturer. Bon après, je sais de quoi Mélie parle, là c'est vrai que pour le coup, il y a un truc où on n'a pas l'émotion et on peut pas l'avoir puisque on sait en fait que ça se passe pas comme ça, comme le personnage le pense, et c'est ce que pense le personnage qui le torture en fait. Et donc du coup on n'est pas torturé comme le personnage l'est. Voilà, c'est vrai. Mais pour tout le reste, toutes les autres émotions qu'on peut avoir, moi je les ai. Non, d'accord, ok, pour tout le reste, mais c'est vrai que ce point-là était quand même central pour moi. Mais en même temps, enfin voilà, ce que je veux dire c'est que il y a pas mal de petits points comme ça qui m'ont chiffonné dans cette lecture, mais en même temps, il y avait, je pense, pas moyen de faire autrement, pas moyen de faire mieux. Donc du coup... c'était vraiment bien, enfin voilà, c'est franchement une super histoire, hein. Je sais que je parais pas hyper enthousiaste et hyper positive, mais faut pas, enfin c'est vraiment très très bien, c'est un très bon tome, mais il est pas aussi bien pour moi que le premier. Un petit peu plus. Ok. J'ai une dernière chose à rajouter sur ce deuxième tome. Le tome 1 est déjà très puissant en termes de tactique, de stratégie, mais le tome 2 l'est encore plus. Surtout au niveau de la stratégie militaire et de la façon que les personnages essayent, cherchent pour régler des soucis qui pourraient plus tard poser de gros problèmes, qui pourraient créer des guerres ou ce genre de choses. J'ai trouvé ça beaucoup plus fourni de ce côté-là. D'ailleurs, en parlant de stratégie militaire, j'ai lu dans la première page, au moment donné où on a une toute petite biographie de l'auteur, que son métier, je sais pas si elle l'exerce toujours maintenant qu'elle écrit, mais elle travaille... pour l'armée, donc je me dis que peut-être c'est lié au fait qu'elle est capable de nous créer une histoire avec un scénario historique et militaire très très dense et très bien fait. Comme pour le premier tome, une fois qu'on arrive à la fin de ce deuxième tome, on pourrait complètement décider de s'arrêter. Et ça, je trouve ça génial parce que ces deuxièmes tomes qui sont des tomes de transition avec un gros cliffhanger... Et bon, c'est pas que ça m'agace, mais c'est vrai que ça fait du bien de trouver quelque chose où on peut se dire, bon bah voilà, si j'ai pas envie de lire la suite, je ne suis pas obligée. Et là, dans le troisième tome, on va s'orienter vers quelque chose d'encore plus stratégique, je pense, d'encore plus, enfin, en plus interne en fait. Je pense pas tant que ce sera militaire, mais beaucoup plus dans le complot, dans la trahison. Et je pense que ça va être super intéressant, d'autant plus que, si j'ai bien compris, on va s'orienter vers une nouvelle culture encore une fois. Donc, même si ce tome-là n'est pas pour moi un coup de cœur, je suis vraiment curieuse de savoir ce que nous réserve l'auteur dans son troisième tome. Avant de finir cette vidéo, j'aimerais revenir sur la fin du roman qui, même au niveau des 30 dernières pages, apporte de nouvelles émotions. Il se passe de nouvelles choses et de nouveaux bouleversements. Et j'ai trouvé ça juste dingue. Ça permet d'avoir énormément d'actions condensées dans les dernières pages. Voilà, j'ai trouvé ça super. C'est vrai que les dernières pages sont vraiment, vraiment
passionnante, hein, on est à fond dedans, on a plein de nouveaux éléments, il se passe plein de trucs. Là je suis d'accord que ça explose, hein. Sur le milieu pas trop, mais par contre sur la fin je suis entièrement d'accord. Aussi j'ai super hâte de lire ce troisième tome, enfin je sais pas si Emily a super hâte, mais moi j'ai vraiment très 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 hâte de lire ce troisième tome. Les deux tomes sont un énorme coup de cœur, vous l'aurez compris, et je vous recommande chaudement de lire cette saga qui est juste géniale. Sur ce, on va vous laisser, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez lu le tome 2, ce que vous en avez pensé, ce que vous aviez aimé ou pas dans le tome 1. Et on vous souhaite, comme d'habitude, de très 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 belles lectures, et on se retrouve la semaine prochaine, ou un peu plus tôt, pour une prochaine vidéo.